Horoscope Scorpion du 28 avril 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Votre vie conjugale jouira d'un bel équilibre, même si elle ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Gentil et attentionné l'un envers l'autre, vous apprécierez votre bonheur de vivre ensemble en multipliant les occasions de vous faire plaisir. La planète Jupiter influençant votre signe pourrait d'ailleurs resserrer encore vos liens, mariage, bébé, achat immobilier. Selon vos désirs et votre situation. Célibataire, l'amour ne sera pas votre priorité, et c'est en famille que vous trouverez le meilleur réconfort affectif pour le moment. Horoscope Argent. Sur le plan matériel, les soucis risquent de s'accumuler au cours de la journée. Vous n'aurez guère le sens des réalités, si bien que vous serez tenté de consacrer de trop grosses sommes d'argent à vos loisirs. Veillez à préserver un bon équilibre en toutes choses. Horoscope Santé. Votre énergie et votre vitalité seront en hausse, à un point tel qu'elle pourrait même, à certains moments, vous déborder. Les configurations planétaires actuelles doivent vous inciter à ne pas prendre de risques, quelle que soit leur nature. Il vous faudra, à la fois, utiliser cette énergie dans tout son potentiel, mais aussi la limiter dans ses excès éventuels. Évaluez au plus juste vos possibilités réelles. Horoscope Travail. Malgré les obstacles, vous ne douterez pas un instant de pouvoir atteindre vos objectifs. Bien que certaines personnes ne vous rendent pas la vie facile, vous pourriez obtenir une promotion ou une augmentation. Horoscope Famille. En famille, vous userez de votre pouvoir de séduction avec un art consommé. Personne ne pourra vous résister, ni votre conjoint, que vous mènerez par le bout du nez, ni vos enfants, qui vous porteront au nu. Horoscope Vie sociale. Vous pourriez vous sentir attiré par les appels soi-disant spirituels de quelques sectes ou d'un prétendu gourou. Planez tant que vous voudrez pour vous consoler un peu des dures réalités de la vie. Mais refusez catégoriquement de vous laisser tondre, tournez le dos dès qu'on cherchera à vous soutirer de l'argent. Méfiez-vous également des sollicitations des marchands d'espoir de tous bords.